Bonjour à tous, nous revoilà dans ma place des taillis. Donc les taillis de chasse, hein, vous voyez, c'est des arbres bien serrés. Pas beaucoup d'espace. Et je cherche toujours mes trompettes. Et j'avoue que les feuilles sont bien tombées. Et franchement, pour les voir, les trompettes, faut se lever de bonne heure. Mais par chance, j'en ai quand même vu quelques-unes. Donc c'est signe qu'il y en a. Donc les voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Et les voilà. La trompette, hein. La voilà. Ça commence un petit peu à sortir. Donc je vais continuer à chercher dans le coin. Et je pense que je vais peut-être me faire un petit panier quand même. Allez, on va continuer. Bon, alors là, on commence déjà à en voir un peu plus en s'enfonçant dans le bois. Toujours ces fameux taillis, vous voyez. Là. Voilà, ça commence à causer un petit peu là. Elles sont par là. Je vais commencer à trouver un petit peu dans mon panier. Donc je vais ramasser et continuer à chercher dans le coin. Là on y est. Là ça commence à être un peu mieux, de mieux en mieux. Regardez-moi ça. Je vais laisser mon panier là. Je vais avancer là-dedans. Là, regardez. Si on a là-bas, il y a des tumouches, la manie de tumouches, les trompettes, il doit y en avoir par là. Regardez par là-bas, là, je suis dedans. Là, oula, oui, là, je suis dans ce qu'on appelle une tache. Donc, je vais ramasser, ça va être génial. Allons-y. Là, il commence vraiment à en avoir un peu partout. Et là, que voyons-nous? Les amanites du mouche. Magnifique, non? La nature est belle quand même. Allez, on continue. On rabote, comme on dit chez nous. Je continue à chercher. Je vais rentrer un peu là-dedans. Et là, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comme elles sont belles. Il y en a partout ici. Il y en a là-bas. Je vais essayer de pouvoir marcher dessus. Si j'en vois des grosses là. Allez, on continue. Voilà, j'ai fait ma petite cueillette de la matinée, je vais dire en 1h30 de temps. Voilà ce que j'ai récolté, on va dire. Encore du panier. Effectivement, il y a quand même de beaux spécimens. Voyez où? Bien. Je reviendrai. Là, je suis content. Ça faisait longtemps que j'avais pas
ramasser autant de trompettes. C'est une place où il y en a un petit peu partout. La pluie des derniers jours a tout fait pour bien les arroser. Il y a eu beaucoup de millimètres d'eau en 2-3 jours. C'est merveilleux. Les températures sont à peu près nickel. On va dire qu'il fait pas froid. C'est déjà ça. Comme il annonce un peu d'eau dans la semaine, plus un peu de soleil, l'idéal pour les champignons. Sympathique. Ce qui est bien dans cette forêt, c'est que c'est pas facile à se trimballer là-dedans, mais il y a un peu de tout, surtout des trompettes. J'ai vu des volets orangés. Là, je vois qu'il y a des beaux petits spécimens encore. Là, ça a l'air beau. Là, ça a l'air beau. Ah oui, voyez-vous ce qu'il y a. Regardez comme c'est beau. Là, justement, un orangé, deux orangés. C'est une sorte de petite... Vous voyez, il y a un peu de tout ici, du sapin, du hêtre. Oh là, il y a une belle colonie là. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, sur cet espace plein de mousse, je suis assez content de moi. Et je vous dis salut les petits gars, et puis bonne chasse à vous, hein, sur vos terres à vous, en espérant que vous ayez autant de surprises que moi. J'ai encore pas trouvé de beaux cèpes, il y en a plein ici en Lorraine, dans les Vosges et tout ça, donc je vais essayer d'y aller. Et à la prochaine vidéo. Salut les petits gars et bonne cueillette à vous. Ciao.